On a décidé de faire un sit-in pacifique pour montrer notre mécontentement par rapport au fait que le Front National soit arrivé au second tour de la présidentielle dimanche dernier. On veut montrer que dans un lycée, il y a des gens qui sont en seconde, en première, en terminale. Parmi les terminales, il y en a certains qui ont le droit de vote, mais la grande majorité des lycéens n'ont pas le droit de vote. Et donc on veut montrer que même si on ne peut pas s'exprimer à travers les urnes, on est quand même en désaccord total et profond avec toutes les valeurs que porte le Front National, qui sont selon nous des valeurs antidémocratiques. Et donc on veut, entre guillemets, si on a décidé de faire un sit-in, c'est pour montrer qu'on peut s'exprimer sans faire des blocus violents, on peut faire entendre notre voix sans passer pour des jeunes qui sèchent les cours, etc., qui n'ont aucune conscience politique. Et donc on veut montrer qu'on a vraiment des revendications par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on est profondément, vraiment, encore une fois, en désaccord avec le programme que porte Marine Le Pen. Et comme on va bientôt avoir 18 ans, on est tous entre 16 et 18 ans, là, dans les gens qui sont réunis ici. Et d'ici quelques années, on va pouvoir voter, on va entrer sur le marché du travail, on va entrer dans la vie active. Et donc, le programme, si jamais Marine Le Pen est élue, on va en être les premiers touchés. Et on veut montrer qu'on n'est pas forcément d'accord avec le fait que des personnes décident pour nous sans connaître notre avis. C'est pour ça qu'on veut se manifester et alerter un peu l'opinion publique pour ça. Bien sûr, les gens ont voté. On n'est pas en train de remettre en question le vote de la population. On veut juste montrer, on n'est pas du tout en train de... Là, ce qui est important de souligner, c'est qu'on ne... C'est ça, on ne remet pas en cause le vote qui s'est exprimé dans les urnes, parce qu'on est quand même dans une démocratie. On n'est pas du tout en train de manifester contre, justement, le principe démocratique, parce que, justement, c'est à l'opposé de ce qu'on porte. On défend justement la démocratie, etc., les valeurs qui sont celles de la démocratie et qui sont en péril qui pourraient être en péril avec l'élection de Marine Le Pen. C'est pour ça. Et le truc, c'est qu'on ne remet pas du tout en cause le vote, on n'appelle pas à voter Emmanuel Macron, on n'appelle pas à voter blanc, on fait juste une manifestation pour montrer que les valeurs que porte le FN ne sont pas les valeurs qu'on voudrait être celles à l'image de la France. Le programme qu'elle porte, les valeurs qu'elle porte, le fait d'avoir un parti comme le Front National qui veut prétendre à la présidence de la République, ça ne nous convient pas, parce qu'on pense que toutes les valeurs qu'il porte sont des valeurs qui ne correspondent pas
à l'idée de la France qu'on a, la France comme on l'idéalise, la France comme on la visualise. C'est pour ça qu'on manifeste aujourd'hui, qu'on a manifesté mardi. On n'appelle ni à voter Macron, ni Marine Le Pen, ni à voter blanc. C'est pas un appel au vote, on ne veut pas détourner l'opinion des gens, on n'est pas là pour influencer les gens, on ne prétend pas avoir la légitimité pour le faire, mais on veut juste s'exprimer par ce mode d'action. Alors nous, si aujourd'hui, si on fait ça, c'est parce qu'on a été assez choqués du résultat du deuxième tour, enfin du premier tour, pardon. C'est-à-dire que, vous voyez, nous, si on fait ça aujourd'hui, et on a été un des premiers lycées à le faire mardi, c'est parce que, en fait, on s'inspire beaucoup de 2002, et on se rend compte qu'aujourd'hui, la situation, c'est en 2002, il y avait des millions de jeunes dans la rue, et aujourd'hui, il y a à peine quelques lycées qui le font, et on a peur d'une banalisation du Front National, parce qu'il faut rappeler quand même que c'est un parti d'extrême droite, qui est un parti extrémiste, avec un... son ancien leader, c'était un homme terrible, incroyable. C'est le mec qui était dans les OAS, et puis sa fille qui se dit anti-système, elle est née à Neuilly-sur-Seine, elle est entrée en politique grâce à son père. Enfin bref. Et puis après, quand il nous traite de petits bourgeois sur Twitter, évidemment, on est obligé de leur répondre ça. Mais moi, personnellement, je suis militant communiste. Et aujourd'hui, en fait, ce qui est bien dans notre manifestation, c'est qu'elle est complètement neutre. Avant-hier, quand je suis venu pour la première fois, j'avais peur justement que ce mouvement soit récupéré. Et même s'il est un peu récupéré, parce que logiquement, quand on est contre Le Pen, on est un peu pour Macron. Bah non, en fait, justement, on réussit. C'est-à-dire, aujourd'hui, moi, je suis plus mélenchoniste. Eux, ils sont plus macronistes. On est tous juste français, unis pour défendre nos valeurs de démocratie et s'opposer à ce parti qui nous paraît juste infâme et son fascisme à peine déguisé, en fait. C'est un sit-in, c'est une manifestation pacifique, d'ailleurs. Moi, je fais partie d'un service d'ordre qui veille à la sécurité de la chose, c'est-à-dire que ça ne parte pas mal. On assoit les gens, on leur dit de se calmer. Mais oui, c'est un suffrage universel où elle a été élue. Mais pour moi, cette femme, elle trompe beaucoup de gens. Parce que quand elle va voir les ouvriers et qu'elle leur dit qu'elle va les sauver, c'est pour moi, voter FN, pour moi, ça serait au même rang de Macron pour exploiter les travailleurs. Parce que vraiment, ça serait juste du nationalisme, en fait. Ils seraient juste heureux de bosser pour l'État français, mais ils seraient autant exploités qu'aujourd'hui ils le sont sous les grandes entreprises.